Bonjour, bienvenue sur Info City TV. Nous sommes en Alsace du Nord, dans le département du Bas-Rhin, à 40 km de Strasbourg, près de Haguenau. Nous sommes dans la ville de Schweikou-sur-Moder, en compagnie du maire Philippe Specht. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Gare. Vous avez exercé la profession de haut fonctionnaire. Vous étiez directeur général des services dans 3 conseils généraux, dans l'Yonne, dans l'Allier et dans le Bas-Rhin. Vous avez été secrétaire général à la ville de Haguenau. Aujourd'hui, c'est l'élu que nous rencontrons, le maire de Schweikouse, Philippe Specht. Où sommes-nous précisément à Schweikouse pour la réalisation de cette interview? Alors nous sommes dans la salle du conseil municipal. Alors effectivement, vous avez raison, j'ai eu ces 3 étapes. Alors dans le Bas-Rhin comme directeur général adjoint, Lyon et l'Allier comme directeur général. Et donc pendant 5 ans, j'ai été secrétaire général effectivement de la ville de Haguenau de 1991 à 1996. Alors on est dans la salle du conseil municipal rénovée puisque c'était une de nos dernières réalisations du mandat précédent qui s'est un peu prolongée sur le début du mandat actuel pour des raisons que vous devinez. Même les travaux ont été bloqués par la Covid et donc cette salle a été livrée au mois de septembre 2021, donc l'année dernière. Lors de notre dernière interview, nous étions en 2020 en plein confinement. Avec le recul, quel regard portez-vous sur la gestion de cette crise sanitaire? A-t-elle été compliquée? Je dirais que celle qui a été le plus compliquée de mon point de vue à gérer, pour une commune, hein, je dis bien, ça a été l'école. Parce que entre les protocoles de départ à 64 pages, les évolutions constantes qui n'ont pas toujours été d'une grande cohérence, j'allais dire les attentes de l'État qui n'étaient pas toujours possibles de mettre en œuvre de façon littérale, mais aussi le pragmatisme qu'on a dû montrer dans ces moments-là, ça a été compliqué. Pour les salles, c'était relativement plus simple dans la mesure où c'était ouvert ou fermé. Donc c'était un peu différent. Et puis surtout, ce qu'on ne peut pas mesurer, c'est l'impact sur la population. Parce que, bien entendu, il y a les aspects sanitaires, les décès, les malades, mais il y a aussi les impacts psychologiques sur la population qui sont très difficiles à mesurer. Beaucoup de gens qui se sont sentis isolés, qui ont commencé à déprimer. D'autres aspects moins agréables, une certaine agressivité qui est apparue, qui s'est fait jour dans ces moments-là. Espérons que nous en sommes maintenant dans les dernières semaines de cette pandémie et que d'ici quelques mois, nous pourrons revivre normalement, si je peux appeler ça comme ça. Première surprise, en arrivant à Schweikouse, c'est l'originalité de vos ronds-points avec des décorations inspirées du cinéma. L'intérêt et l'engouement du public et de la presse vous ont-ils surpris ? Oui, j'avoue que nous avons été surpris. Quand je dis nous, c'est les élus, mais aussi les équipes qu'il ne faut pas oublier, qui ont mis tout ça en place, hein, nos équipes techniques. Nous avons eu à un moment donné même des retours d'Angleterre, de Luxembourg. J'ai été appelé par des journalistes parisiens sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que l'ampleur de l'écho médiatique nous a un peu surpris. Mais tant mieux, je dirais, pour qu'on parle de Schweikouse. Bien entendu, la télévision régionale est venue, FR3 est venue aussi tourner quelques images. Et ça nous a fait plaisir de voir que nous avions un écho bien plus large que nous le pensions, en plus, sur l'Alsace. Au-delà des ronds-points, quelles ont été les principales réalisations à Schweikouse depuis votre arrivée en 2014? Oh, alors je vais essayer de les lister, j'espère que ma mémoire ne me trahira pas. Alors, bon, en dehors des aspects de lotissement, en particulier la première réalisation, le lotissement du Kraugarten, que nous avons, qui était largement entamé depuis plusieurs années, mais qui était bloqué par la vente d'une parcelle, que j'ai réussi à débloquer en 2015. Donc c'est la première réalisation. La réalisation quand même la plus importante, ça a été la création de l'école maternelle et du périscolaire en lien avec la communauté de communes de la région de Haguenau à l'époque encore, puisque c'était avant 2017. Nous avons quand même réussi à construire une nouvelle école et ce périscolaire pour une centaine de personnes. Le terrain de foot synthétique en 2018. Nous évoquions tout à l'heure la mairie, le début de la transformation de la mairie, mais aussi de la place du marché qui la jouxte, puisque l'ancien cinéma qui était à côté et qui était abandonné depuis une vingtaine d'années a été démoli pour faire place à cette nouvelle place centrale de Schweikouse, et puis la piste d'athlétisme en 2021. Donc nous avons toute une série de réalisations avec 2-3 petits lotissements encore de quelques parcelles qui sont venues compléter cette offre. Quel est le futur? Quel est le programme des nouveaux équipements à Schweikouse? Alors principalement deux choses.
Deux ou trois choses. Bon, on va commencer par un programme ambitieux sur l'ensemble du reste du mandat actuel de rénovation thermique des bâtiments municipaux. Les bâtiments municipaux ont un certain âge. Il s'agit aujourd'hui de s'attaquer non pas à leur extension, non pas à leur reconstruction, mais à l'amélioration énergétique, thermique de ces bâtiments. C'est notre grande ambition de ce mandat-là. Nous avons commencé, comme je l'évoquais déjà, avec la mairie à la fin du dernier mandat pour commencer, donc avec en particulier des panneaux photovoltaïques sur le toit, mais aussi une isolation complète du bâtiment. Nous avons continué avec le multi-accueil que nous avons transféré dans l'ancienne école maternelle du Boxberg, qui a été revue entièrement aussi. Donc c'est maintenant de poursuivre cette rénovation thermique sur 7 bâtiments municipaux. Ensuite, de développer tout ce qui est sport pour tous, c'est-à-dire que nous avons fait des équipements sportifs, j'en évoquais deux tout à l'heure, importants. Rénovation de la salle Kölfing qui est quand même en bonne partie utilisée, pas seulement, mais par les sportifs, mais aussi favoriser le sport pour tous, et favoriser le sport pour tous en réfléchissant aux plus jeunes en particulier. Et donc, nous avons sollicité le Conseil municipal des jeunes pour aussi faire part de ses propositions, de ses attentes. Il y a des structures plus légères qui sont peut-être à réinstaller à Schweikhouse. Voilà, donc ça, c'est les points principaux. Il peut bien entendu y en avoir d'autres, en particulier la poursuite du programme Cœur de Ville. On parle aussi de beaucoup de développement durable. Quelles ont été les actions à Schweikhouse dans ce domaine ? La première action, ça a été de supprimer tout ce qui est produits phytosanitaires dès le début du mandat précédent, 2014. Donc nous avons le label 3 libellules que nous avons conservé. La deuxième aspect, c'est de se lancer dans des gestions différenciées sur certains espaces publics. Trois espaces publics, trois parcs, si on peut appeler ça comme ça, qui sont en gestion différenciée. La rénovation thermique, par définition, doit lutter contre le réchauffement climatique, donc c'est une action également. Dans le développement durable, vous avez aussi une initiative que vous vouliez nous présenter. Oui, alors deux idées. La première, bon, nous avons pris la décision l'an dernier, en conseil municipal d'ailleurs, de remplacer chaque arbre abattu par deux arbres plantés nouveaux sur le banc communal. Et puis, tout récemment, nous avons signé un partenariat avec le Conservatoire des sites alsaciens, à qui nous avons remis 4 hectares de terrains communaux en compensation des deux lotissements du Kraugarten et du Haslen, donc en gestion sur 30 ans. L'inflation et l'augmentation des prix est au cœur des débats. L'augmentation du prix de l'électricité et du gaz, notamment pour les usagers, cela a-t-il également des conséquences sur le budget d'une mairie, comme la ville de Schweikhouse ? Oui, importante, dans la mesure où c'est sans doute un chiffre entre 25 et 30 000 euros à la clé qui va être sur les factures d'électricité et de gaz en plus des années précédentes. Alors il est difficile au jour d'aujourd'hui d'avoir une idée trop précise des choses, puisque en 2021, les prix ont augmenté beaucoup. Probablement, l'augmentation n'est pas achevée encore. Donc, pour 2022, ce sera probablement une mauvaise surprise qui nous attend. Moi, j'en suis à évoquer quelques dizaines de milliers d'euros, comme je le disais tout à l'heure. C'est un pourcentage conséquent ? C'est toujours relatif, bien entendu. C'est absorbable, mais c'est autant d'argent qu'on ne pourra pas mettre sur des investissements. La situation du logement à Schweikhouse, quelle est votre ambition dans ce domaine ? Alors, la situation du logement doit s'apprécier sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est l'attractivité de notre commune. Notre commune est une commune qui est demandée, on l'a vu sur le dernier lotissement du Haslen qui a été commercialisé en 2021 et encore sur le début de cette année. En quelques mois, tous les lots ont été vendus. C'est allé très très vite, ça prouve bien que la commune est attractive et qu'il y a une attente. Deuxième élément qui m'a surpris aussi un petit peu, mais on l'a constaté dans d'autres communes, c'est l'augmentation du prix des immeubles anciens. Alors, est-ce que c'est un effet Covid ? Est-ce que c'est un effet plus global ? Probablement les deux. Les prix ont pris entre 10 et 12% en 2 ans. Sur les transactions, en moyenne, sur les transactions immobilières ces 2 dernières années. Donc c'est une preuve que la commune est très attractive. Alors la commune est très attractive, mais elle a aussi des contraintes dans son attractivité. C'est qu'un certain nombre de lois récentes, une loi en particulier, la loi climat et résilience, limitera dans l'avenir les possibilités de surface à imperméabiliser. Ce qui sur le principe est une excellente chose. J'ai toujours été très clair là-dessus, pas forcément toujours en phase avec certains de mes collègues maires, mais j'ai été toujours très clair, je pense qu'il faut limiter effectivement les surfaces à utiliser pour la construction et densifier en réalité ce qui existe. Sauf que vous avez aussi des contraintes. Donc la contrainte que j'évoquais
Bon, elle est acceptable. Il y en a une autre que l'État nous impose, c'est la loi SRU, puisque nous avons l'avantage, entre guillemets, d'être dans l'agglomération de Haguenau, pas la com d'agglomération, puisque cette loi date de 2000. Hein. Donc nous avons des contraintes en matière de logements sociaux que l'État nous impose. Nous devrions être à 20%, nous sommes aujourd'hui à 15%, donc il y a un peu de chemin à faire encore. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas de surface à urbaniser, vous aurez du mal aussi à construire des logements sociaux. Donc il y a une vraie réflexion du côté de l'État aussi à faire des choix. Est-ce qu'il faut prioriser certains secteurs par rapport à d'autres? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est une vraie question. Puis nous avons un handicap ou un avantage. Ça dépend de quel point de vue on se place. Nous avons un taux de vacances des logements à cheval avec pouce qui est très bas. Nous avons le plus bas ou le deuxième plus bas de l'ensemble des communes de la communauté d'agglomération de Haguenau. Donc ça veut dire qu'il y a peu de disponibilité dans le bâti existant actuel. Vous évoquez la communauté d'agglomération de Haguenau, vous en êtes membre, vous êtes membre également du PETR, un organisme qui agit en matière de climat, d'air et d'énergie. En quoi la collaboration avec ces organismes est-elle utile pour la ville de Chalcoud? C'est un choix politique de rentrer dans une com d'agglo, donc c'est non seulement une utilité, mais c'est une volonté. Donc nous sommes regroupés à 4 communautés de communes à l'époque, donc Haguenau, Bichevillers, Brumath et le Val-de-Moder, pour créer cette com d'agglo au 1er janvier 2017. La création d'ailleurs eu lieu à Chevaïcouze, la première réunion en janvier 2017. Donc ça, c'est clairement un choix politique d'efficacité de ce groupe et de ce groupe pour être plus efficace. Le PETR, c'est, j'allais dire, la suite de deux structures qui existaient précédemment, à la fois le SCOT, qui est aujourd'hui géré par le PETR, mais aussi l'ADEAN qui a disparu entre-temps, qui était donc l'Agence de développement de l'Alsace du Nord. Et donc tout ça a été fondu dans le PETR, qui regroupe aujourd'hui 6 intercommunalités, dont la nôtre, mais qui va en gros de Wissembourg à Niederbronn, en passant par Wörth, par Soultz-sous-Forêt et par Hürth. Principalement, donc c'est un outil, comme je le disais, qui est pour reprendre le SCOT d'Alsace du Nord, le schéma de cohérence territoriale d'Alsace du Nord, mais aussi justement nous avons décidé de mettre en place ensemble un PCAET, un plan climat, air, énergie territoriale, qui est une obligation légale pour nous à la CEH, et nous avons décidé de le faire à 6, comme ça chacun peut y retrouver, j'allais dire, ses attentes. Et ça, c'est un gage d'efficacité pour l'ensemble de l'Alsace du Nord. Donc moi, je crois personnellement beaucoup aussi, non seulement à l'intercommunalité, mais aussi à un regroupement plus large sur l'Alsace du Nord. Vous êtes également président du SMITOM, un organisme chargé du traitement des ordures ménagères. Quels vont être les grands changements en 2022 en matière de déchets pour les habitants du territoire ? Alors le SMITOM effectivement s'étend de Saverne jusqu'au bord du Rhin, hein, jusqu'à la communauté de communes du Pays Rhénan. Donc il regroupe 240 000 habitants environ. Il gère deux structures en particulier, l'usine d'incinération de Chalcoude, mais aussi la décharge, je vais appeler ça comme ça parce que le nom technique c'est ISDND, donc de Weidbruch. Donc le principal changement qu'on va avoir, ça va être au 1er janvier 2023, l'extension des consignes de tri. En clair, ce que vous mettez dans vos poubelles jaunes aujourd'hui, donc il y a des choses qui vont se rajouter dans les poubelles jaunes, qui vont être collectées différemment, qui aujourd'hui passent dans les poubelles d'ordures ménagères classiques, et qui demain, alors c'est principalement des plastiques plats, vous savez, des blisters, des pots de yaourt, des choses comme ça, qui vont se retrouver dans la nouvelle poubelle au 1er janvier 2023. Alors depuis les années 90, l'enseignement bilingue est dispensé sur le banc communal. Le bilinguisme reste-t-il important à vos yeux ? Alors le bilinguisme reste important. Alors au début des années 90, c'était effectivement une initiative privée qui a créé cet enseignement bilingue sur Chevaïcouze, l'école ABCM, hein, pour le dire clairement. C'est étendu, bien entendu, depuis un bout de temps maintenant à l'école publique aussi. Et pour parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'école publique, puisque ABCM étant géré par une association, ne dépend pas de la municipalité, nous sommes quasiment aujourd'hui sur les 420 élèves de l'école maternelle et élémentaire de Chevaïcouze, à peu près à 50-50%, à quelques unités près, nous en sommes à ça. Avec un mouvement qui s'amplifie sur le bilinguisme, puisque aujourd'hui, à peu près 2/3 des nouveaux entrants chaque année demandent un enseignement bilingue. Donc nous sommes toujours sur une phase ascendante. Et d'ailleurs, dernière nouvelle, toute récente de la semaine dernière, le directeur des services académiques, M. Geneviève, nous a adressé une lettre pour nous dire qu'il y avait une suppression de postes dans l'enseignement monolingue, mais en même temps une création de postes dans l'enseignement bilingue à Chevaïcouze. Donc effectif
des enseignants identiques, nombre de classes identiques, mais une évolution donc prise en compte par les services de l'État dans ce domaine-là. Vous étiez également, M. Specht, conseiller régional du Grand Est. Vous n'avez pas souhaité vous représenter aux dernières élections régionales. Pourquoi ? C'est simple, j'ai eu 70 ans au mois de décembre, je pense qu'il n'était raisonnable d'arrêter, surtout que le mandat, normalement, doit se finir, le mandat actuel de conseil régional doit se finir en mars 2028. Je me voyais mal, à presque 77 ans, à être encore élu au conseil régional. L'élection présidentielle est également au cœur de l'actualité, et notamment le sujet des 500 parrainages obligatoires pour chaque candidat. Avez-vous l'intention, vous, de parrainer un candidat ? Non, je ne souhaiterais pas parrainer un candidat. J'en ai parlé avec mes adjoints. Mon équipe municipale est d'opinion politique différente. Je ne vois pas pourquoi je me marquerais dans ce domaine-là. Je ne l'ai pas fait en 2017 également. Je ne le ferai pas en 2022 parce que j'estime que c'est aussi une question de respect vis-à-vis de mon équipe municipale. On ne s'est jamais donné une étiquette quelconque, c'est une liste d'entente communale, si je peux appeler ça comme ça, même si ce n'est pas le terme que nous avons employé, donc je ne souhaite pas. J'ai des opinions à titre personnel, je suis adhérent d'un parti politique à titre personnel, mais je n'ai pas à en faire état, je pense, dans un parrainage de ce type-là. Nous allons évoquer aussi les menaces et les agressions d'élus. Est-ce un phénomène exagéré par des médias ? Ou ressentez-vous également ce sentiment de crainte en tant que maire ? Oui et non. C'est une réponse de Normand, pas d'Alsacien. Mais il est vrai que l'agressivité a augmenté, clairement. Et on le sent, nous le sentons. Je dirais nous, parce que mes adjoints ont le même problème. Donc c'est un phénomène qui s'amplifie, alors qui n'est pas forcément sous l'angle des agressions physiques. Ça peut être des insultes sur les réseaux sociaux, ça peut être des menaces plus ou moins directes, ça peut être sous des formes très différentes. Mais en tous les cas, c'est un phénomène qui clairement s'amplifie pour moi, même s'il n'est pas, et heureusement, sous forme physique trop souvent. Et je ne connais pas d'exemple, du moins à Schweikhouse, où il y a eu des formes physiques d'agression sur des élus. Mais c'est un phénomène extrêmement compliqué à gérer. La réponse légale, législative existe, ça c'est très clair. La réponse judiciaire, en principe, est là aussi. C'est assez difficile à prendre en compte, mais ça existe et ça s'amplifie, c'est clair. Alors, sujet un peu plus léger, quels sont les temps forts, les événements prévus à Schweikhouse en 2022 ? Alors, bien entendu, revenir un petit peu à la normale et reprendre le cours normal de nos manifestations que nous avions avant la Covid. Donc la première, c'est le nettoyage de printemps qui est la fin du mois de mars. Ensuite, le salon des artistes au mois de mai. De reprendre aussi notre événement festif du mois de juillet, qui sera un tout petit peu décalé en raison des élections législatives de 15 jours au week-end du 1er juillet. Reprendre la fête des rues du mois d'octobre, reprendre les animations de Noël telles que nous avions avant, et puis quelque chose, alors pas forcément nouvelle, mais enfin, une chose très nettement nouvelle, c'est participer à la fête de l'eau, aux journées de l'eau organisées par la Com d'Aglo de Haguenau, donc chez nous ce sera sur le thème de la pêche. J'évoque aussi le salon des artistes et puis la journée citoyenne au mois de mai aussi, c'est la première fois que nous souhaitons organiser une journée citoyenne, donc nous espérons qu'il y aura un certain succès. Et puis bien entendu, la course cycliste, qui normalement est prévue aussi au mois de mai, nous n'avons pas confirmation encore qu'elle ait bien lieu, mais chaque année nous avons cette course cycliste, donc elle est bien prévue aussi comme les autres années. Programme bien rempli. Je souhaiterais pour conclure bénéficier de votre expérience, celle de maire, mais aussi de haut fonctionnaire. La gestion du Covid a-t-elle été symbolique, selon vous, des difficultés entre le maire et les représentants de l'État ? Je pense à l'éducation, à l'ARS. C'est un peu compliqué de répondre parce que la crise du Covid, effectivement, a révélé certaines choses. Mais je pense que le problème est un peu plus vaste que simplement se limiter à la crise du Covid. La crise du Covid, effectivement, comme je l'évoquais, a mis le doigt sur un certain nombre de choses un peu particulières. J'évoquais en particulier la question des écoles. Le couple maire-préfet, très franchement, j'en ai pas vu grand-chose. Mais bon, je peux aussi concevoir qu'avec 500 communes dans le département, ce ne soit pas simple à mettre en œuvre. Plus globalement, ce que je constate depuis quelques années, c'est un retour de plus en plus fort du jacobinisme en France. Il y a de plus en plus de choses qui descendent de Paris, qui sont imposées.
Et ça, c'est une évolution qui va à l'encontre de ce que je crois et que j'ai pratiqué toute ma vie professionnelle, c'est-à-dire la décentralisation. Donc je pense qu'il y a quelque chose là qui n'est pas bien équilibré, alors que la plupart des autres pays cherchent à revenir vers les territoires. Chez nous, au contraire, on a l'impression qu'on retire de nouveau tout à Paris. Et c'est sans doute pour moi le point le plus inquiétant sur l'organisation générale de notre pays que je constate aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans pour la fonction de maire ? Êtes-vous inquiet pour l'exercice de cette fonction dans le futur ? Je ne suis pas inquiet parce que c'est le mandat préféré des Français selon tous les sondages. Donc franchement, je ne suis pas très inquiet là-dessus. Pour répondre depuis 40 ans, ce serait peut-être un peu ambitieux. Je ne suis maire que depuis 2014. Alors c'est vrai que j'ai un passé, j'étais secrétaire de l'association départementale des maires dans les années 80. Donc je connaissais un peu ce monde-là quand même. Mais... pour moi, je mettrai le doigt sur deux sujets, la complexité technique d'un certain nombre de choses et la prolifération des textes normatifs. Je crois qu'il y a de plus en plus de textes qui veulent tout encadrer, c'est de plus en plus compliqué aussi pour cela. Et moi, j'ai une chance, c'est que j'ai vécu là-dedans professionnellement, donc je sais à peu près décrypter tout ça, mais tous mes collègues n'ont pas eu cette chance-là. Et ça, je pense que ça fait partie des deux points qui m'interpellent le plus. Cette complexité technique et puis cet excès normatif qui n'arrête pas, malgré les intentions affichées. Et je dis bien, ce n'est pas un problème actuel, c'est un problème qui existe depuis des dizaines d'années, cet excès normatif. Hein. Ce n'est pas les dernières années où c'est apparu. Merci, M. Specht. Merci d'avoir accepté cette interview. Mais merci beaucoup, M. Gare, et puis à bientôt. Nous étions à Choyecou-sur-Modère, près de Haguenau, dans le département du Bas-Rhin, en Alsace. Nous étions en compagnie du maire, Philippe Specht. Merci à Benoît Bénard, le DGS, pour sa collaboration. Merci pour votre attention et à bientôt sur InfoCity TV.